Alors bonjour, bienvenue à cette réunion d'information sur notre nouvelle formation sur le numérique responsable à la DSI. Alors c'est une formation que on va vous présenter un peu tous les deux, Arnaud et moi. C'est une formation voilà, qui vient dans un contexte, à mon avis, actuel où il y a une préoccupation plus forte pour le côté écologique dans les DSI. Alors on va commencer par se présenter, ça va contextualiser un petit peu les choses. Alors moi-même, Guillaume Plouin, je suis responsable du domaine SI et technologie du digital à la centrale Supélec Executive Education, donc ce qui signifie que voilà, je m'occupe un peu des programmes de centrale Supélec Executive Education. Et par ailleurs, je suis depuis quelques mois le DSI de la Fresque du Climat. La Fresque du Climat, c'est une ONG qui fait de la sensibilisation au changement climatique. Et donc, qui vise à sensibiliser un maximum de gens. On a un objectif d'1 million de gens sensibilisés. Et actuellement, on est à 130 000. Et donc, on fait un gros travail de sensibilisation sur le changement climatique. Et comme voilà, ce sujet me paraissait très actuel, j'ai fait appel à Arnaud, qui est un expert du sujet, pour co-construire cette formation tous les deux. Alors, je vais laisser Arnaud se présenter. Merci Guillaume, bonjour à tous, bienvenue. Alors qui je suis? J'ai passé un gros bout de ma carrière dans les grosses sociétés en tant que directeur de département informatique, plus particulièrement dans la banque. J'ai fait ça pendant une bonne 10-15 d'années et je suis parti ensuite monter des startups techno autour des technologies blockchain et crypto, qui ont d'ailleurs on va dire un sain impact sur l'environnement. On en parlera un petit peu pendant pendant cette formation. Et puis, depuis quelques années déjà, je travaille maintenant sur des problématiques de numérique responsable. Donc, sur plusieurs aspects. Le premier, je travaille avec un think tank qui s'appelle The Shift Project, que vous connaissez peut-être, qui est présidé par Jean-Marc Jancovici, qui on va dire agit un peu comme un lobby pour qui milite pour une économie décarbonée. Donc on écrit des rapports sur plein de domaines et on parle aux décideurs pour les influencer dans cette voie vertueuse. On a édité un rapport d'ailleurs sur le sujet. Le dernier rapport date d'octobre 2020 sur le site du Shift Project, donc je vous encourage à aller faire un tour. Je suis aussi consultant sur ces sujets, donc j'accompagne les entreprises qui ont décidé de prendre cette voie et ce virage du numérique responsable, sachant que de plus en plus d'entreprises s'y intéressent, comme l'a dit Guillaume, notamment parce que un projet de loi au Sénat a été proposé sur ce sujet. Donc je pense que ça va bouger pas mal cette année. Et j'enseigne aussi dans les écoles d'ingénieurs aux mines, à l'ENSIE, quelques écoles comme ça, sur cette problématique. Et donc avec Guillaume, on va vous proposer ces 2 jours de formation sur le sujet. Alors Arnaud, moi j'ai eu un petit moment là où le son était mauvais. Je ne sais pas si de ton côté tu as constaté quelque chose. J'espère que les personnes qui sont en ligne n'ont pas eu d'interruption. Hein. Écoute, Ça c'est le problème des webinaires. Hein. Donc, je propose qu'on avance quand même hein, malgré tout. Alors oui donc voilà donc Arnaud effectivement intervient beaucoup sur le sujet du numérique responsable. Alors avant de parler du numérique responsable, comme je travaille la fresque du climat, j'avais pensé vous faire un tout petit rappel sur le changement climatique. Alors un tout petit rappel assez vite, en une seule slide, en un seul schéma. Alors voilà ce que je comptais rappeler, c'est que donc aujourd'hui on a une grosse consommation d'énergie fossile qui fait tourner notre économie et notre vie. Et en réalité, même si en France on dit qu'on fait beaucoup de nucléaire, en réalité dans le monde il y a 85% de l'énergie qui vient d'énergie fossile. Donc à l'échelle de la Terre, le nucléaire, ce n'est pas une solution qui apporte grand-chose à ce jour. Alors je ne vais pas rentrer dans un débat sur le nucléaire, hein, ce n'est pas mon point, mais aujourd'hui on utilise beaucoup d'énergie fossile. Alors ces énergies fossiles, c'est bien entendu hein, le charbon, le pétrole et le gaz. Ces énergies fossiles, elles produisent du carbone sous la forme de CO2 qui se diffuse dans l'atmosphère. Et les coupables principaux, c'est l'industrie, comme on le voit sur le schéma, l'industrie, le bâtiment et le transport. Et donc on va voir dans la suite que l'informatique prend une part de plus en plus importante dans cette diffusion de CO2 dans l'atmosphère. Donc ce sont les activités humaines hein, qui
Maintenant, ça a été reconnu de manière un peu mondiale suite au rapport du GIEC. Ce sont les activités mondiales humaines qui sont la cause de ces émissions de dioxyde de carbone. Alors, qu'est-ce que ça fait, ces émissions de dioxyde de carbone, en deux mots? Eh bien, vous savez probablement que sur la Terre, il y a ce qu'on appelle un effet de serre. Alors ça, c'est super parce que ça nous permet de vivre. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'effet de serre, on serait mort, comme on serait sur une planète complètement morte, comme Mars ou la Lune. On a donc une atmosphère qui stocke un peu l'énergie qui vient du Soleil et ça nous permet d'être dans des températures confortables qui nous permettent de vivre. Mais ce que font les émissions de CO2, c'est que, en fait, ça dérègle cet effet de serre. On appelle ça le forçage radiatif, hein, dans les rapports du GIEC. Donc on dérègle l'effet de serre, c'est-à-dire qu'il y a plus d'énergie qui reste dans l'atmosphère et moins qui repart. Donc là où on avait finalement un stockage de l'énergie dans l'atmosphère qui était parfait pour vivre dans de bonnes conditions, on a maintenant un supplément de stockage d'énergie dans l'atmosphère, donc c'est l'effet de serre additionnel, qui fait que eh bien, l'énergie s'accumule dans notre atmosphère. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce surplus d'énergie, il est absorbé, vous voyez comme on le voit, en grande partie par les océans. Le sol et le glace et la glace pardon, donc ça ne contribue pas à 100% à une augmentation de la température, mais ça a toutes sortes d'impacts. Alors par exemple le fait qu'il y ait une absorption de l'énergie par l'océan, bah, ça a un impact sur le réchauffement des océans et sur les écosystèmes océaniques. Et donc par exemple il y a certaines espèces marines qui sont en danger, d'autant plus que les premiers touchés c'est le plancton. Et le plancton, ça, c'est toute la chaîne alimentaire marine qui repose dessus. Hein, par exemple, les baleines mangent du plancton. Donc le fait que les océans se réchauffent, ça a des impacts relativement graves. Et puis en plus, il y a des phénomènes d'emballement. Alors par exemple, dans les océans, il y a un risque qu'il y ait des réserves de méthane sous-marine qui sortent des sous-sols sous-marins et que ça se diffuse dans l'atmosphère. Ce qu'on appelle l'emballement, c'est ça, hein, c'est que tout d'un coup, les choses s'accélèrent et donc ça provoque des effets en chaîne un peu effrayants. Alors on a aussi un réchauffement du sol, on a un réchauffement de la glace, donc il y a une fonte des glaces un peu partout. Alors la fonte des glaces, ça a deux impacts. Ça a un impact, c'est que bah, si toute la glace qui est sur la banquise, le Groenland, etc., fond, eh bien on va avoir d'une part une augmentation du niveau de la mer. Le niveau de la mer va s'élever et donc il y a plein de populations qui sont au bord de mer qui vont devoir être déplacées. L'autre conséquence un peu directe, c'est que la fonte des glaciers, bah, ça perturbe le cycle de l'eau sur les terres. C'est-à-dire que nous, on a de l'eau qui vient des Alpes, de l'Himalaya, etc., et qui alimente nos fleuves et nos rivières. Si cette eau-là n'est plus là, bah, ce sera plus compliqué de s'alimenter en eau pour nos besoins quotidiens. Et puis la dernière chose, c'est la hausse des températures qui est un phénomène relativement peu important, puisqu'il n'y a que 1% de cette chaleur additionnelle qui vient faire monter la température. Et la hausse des températures, c'est quand même un petit peu embêtant. Donc, dans certaines prévisions du GIEC, si on continuait à vivre comme on le fait actuellement, eh bien, on aurait une hausse des températures de 4 ou 5 degrés, voire 6 à la fin du siècle. Et ça veut dire des perturbations, en particulier bah, des rendements agricoles. Et donc, si effectivement on a moins de facilité à produire de la nourriture, les pertes de rendement agricole, eh bien, ça va avoir un impact sur la nutrition des humains. Et puis, les pertes de rendement agricole, on commence déjà à le constater, ça fait des déplacements de population. Des gens, par exemple, qui vivent du côté du Sahara, ils vont probablement souhaiter aller plus au nord, là où les rendements agricoles seront meilleurs. Donc tout ça n'a pas qu'un impact que sur la faune et la flore et sur les petits animaux. C'est pas juste un message, je dirais, que du WWF à propos de sauver les bébés phoques ou les pandas. Non, c'est un impact direct sur les humains. C'est-à-dire que le réchauffement climatique a un impact sur notre nutrition et puis sur les endroits où il fait bon vivre. Et donc tous ces réfugiés climatiques qui risquent d'arriver de plus en plus, ça va créer des tensions au sein des populations humaines. Donc ça nous concerne de manière assez concrète, et c'est pas juste finalement hein, la sauvegarde de la biodiversité. Voilà, donc c'était un petit rappel rapide sur le dérèglement climatique. Alors je vais laisser maintenant Arnaud dire un mot sur bah, la part de l'informatique là-dedans. Alors, je vais changer de slide. Voilà. Ouais, alors le numérique, en fait, l'impact du numérique, c'est pas un sujet nouveau, hein. Ça fait quelques temps que la communauté s'intéresse au problème. Plus on avance dans le temps, plus on a des mesures fiables, plus il y a d'études qui viennent
se croiser. Et donc, plus on a une idée précise de ce qui se passe. Alors, déjà, le premier constat qu'on tue, c'est malheureusement l'adage qui disait que 1 kilo de CO2 investi dans le numérique, c'était 10 kilos de CO2 évité dans l'économie physique. Donc ça, on va dire, c'était un rêve il y a quelques années. On s'est rendu compte que c'est pas du tout le cas. Bien au contraire, en fait, les usages numériques sont venus en plus des usages physiques et en plus vu la facilité en fait d'accès à ces usages, il y a ce qu'on appelle un effet rebond qui fait que bah, pour un même usage dans le physique, bah, l'usage numérique est décuplé. Je vais prendre un exemple simple, l'exemple du mail. Même si un petit mail était moins impactant qu'envoyer une lettre par la poste, bah finalement, on n'envoyait pas 20 courriers par jour avec nos timbres et nos enveloppes. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc, tout ça fait que finalement, on constate deux choses. La première, c'est que on estime que la part des gaz à effet de serre, pardon, dans le monde dû au numérique est à peu près de 4% aujourd'hui. Alors 4%, c'est à peu près 2 fois la part de l'aviation civile. Donc on parle beaucoup d'aviation sur l'impact du climat, mais on se rend compte que le numérique, c'est 2 fois plus important. Maintenant, cette part-là, elle ne fait qu'augmenter, augmenter parce que on digitalise les entreprises, nous-mêmes en tant que particuliers, on digitalise, pardon, on numérise nos usages de plus en plus. On est passé des ordinateurs aux smartphones, des smartphones aux IoT, des objets connectés. Donc tout ça fait que la courbe, elle est au minimum croissante, au pire, elle est exponentielle. On l'estime aujourd'hui à environ 6, 7,5% de croissance de gaz à effet de serre, ce qui est beaucoup. Et donc la question, il y a plusieurs questions en dessous, c'est est-ce que, un, toutes les optimisations énergétiques dont on a bénéficié jusqu'alors et qui ont permis d'avoir une croissance relativement modérée vont continuer parce que on a optimisé la consommation de nos ordinateurs, on a optimisé la consommation des data centers. Donc on optimise, mais cette optimisation, en fait, elle va à un moment, elle va stagner. Donc première question, quel va être l'effet de cette stagnation d'optimisation énergétique? Et deuxième question, est-ce qu'on va être capable de prendre en compte, nous, enfin quand je dis nous, c'est les individus et les entreprises, cette problématique pour modérer nos usages et aplatir la courbe. Donc la courbe future, ben, ça va dépendre de tout ça. Donc il y a plusieurs scénarios qu'on vous exposera avec les différentes hypothèses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir faire quelque chose de fort et quelque chose de durable, à la fois dans la sphère privée, donc en tant qu'individu, et la sphère des entreprises. Et on va détailler un peu, quand même beaucoup, comment aborder le sujet du numérique durable dans les entreprises, comment s'y prendre et quelles actions mettre en place. Tu veux que j'avance sur le slide suivant? Donc, les objectifs de ce programme, bah déjà, c'est évidemment comprendre ses impacts. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a donné ce chiffre brut là, de 6%, finalement, comment il est calculé, d'où il vient. Et pour ça, on va détailler ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. En 2 mots, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comment dire, le matériel qui est utilisé dans le numérique, puisque ce n'est pas du dématérialisé, c'est bien matérialisé. On va l'analyser sur tout ses phases de vie, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe à la construction de ce matériel. Et vous verrez que les impacts à la construction sont à la fois très forts en termes de CO2, mais aussi en termes de pression sur les ressources abiotiques. On va regarder ce qui se passe ensuite à l'utilisation, donc sur l'impact sur la consommation électrique. Donc, on va détailler un peu d'ailleurs sur ce sujet d'énergie électrique, ce qu'on appelle énergie verte, et de la part des énergies carbonées dans l'alimentation des centrales électriques. Et puis, la fin de vie. Qu'est-ce qui se passe en fin de vie? Et donc, toutes les problématiques de recyclage ou de non-recyclage et de déchets chauvages. Donc, c'est avec tout ce cycle de vie qu'on va comprendre où impacte le numérique et pourquoi. Ensuite, on va approcher un peu plus finement la problématique au sein des entreprises. C'est-à-dire que vous, en tant que professionnel,
Vous êtes peut-être DSI, vous faites peut-être partie d'une entité annexe. Enfin, tout le monde dans l'entreprise soit construit et utilise le ICI, au minimum l'utilise. Et on va regarder un peu tout de façon un peu systémique comment adresser cette problématique, parce que ce n'est pas qu'une problématique de matériel, hein. Il suffit pas d'optimiser le matériel. Il faut revoir les usages, il faut revoir la culture d'entreprise, il faut savoir mesurer, il faut savoir négocier avec ses fournisseurs. Donc c'est vraiment l'ensemble du spectre des fonctions d'entreprise qu'il va falloir adresser. Et on vous expliquera comment s'y prendre. Et on finira par des thèmes, on va dire, connexes que Guillaume abordera plus sur des problématiques, on va dire, socio-économiques. Guillaume, tu veux dire deux mots? Oui, alors on va aussi parler en deux mots des impacts sociaux du numérique, à savoir les questions de est-ce que le numérique détruit des emplois, est-ce que le numérique crée finalement une espèce d'inégalité entre ceux qui sont très connectés et ceux qui ne le sont pas, est-ce que le numérique a un impact sur certains types de populations. Je pense par exemple à un exemple que j'ai pu lire dans des journaux un peu spécialisés. Vous savez, il y a certains algorithmes qui excluent certaines populations plutôt que d'autres parce que les gens qui ont développé ont des biais en fait dans leur façon de coder. Voilà, donc on évoquera un peu ces choses-là aussi. Ou si ce sont juste les données qu'on exploite qui sont déjà biaisées. On a peut-être oublié de vous dire qu'il y a un chat qui est à votre disposition et sur lequel vous pouvez poser vos questions auxquelles on répondra au fur et à mesure ou à la fin en fonction du nombre. Voilà, et puis donc, je pense que Arnaud l'a déjà un petit peu dit, mais donc le public concerné est assez large finalement, puisque on a une problématique qui touche pas mal le monde, hein. C'est-à-dire qu'il y a un aspect architecte informatique dans l'éco-conception, la bonne conception des systèmes, mais il y a aussi un aspect beaucoup plus vaste qui est, par exemple, décider de garder les PC plus longtemps, et donc ça ne concerne pas que les informaticiens. Je passe à la slide suivante, Arnaud. Allons-y. Alors, comment ça va se dérouler ces 2 jours? En fait, on vous propose un découpage en 4 parties. Donc, la première va être une partie d'introduction où on va reparler encore une fois des problématiques climat, énergie, ressources et rentrer un peu plus dans le détail de ce qui se passe, des impacts, comment tout ça est mesuré, pour avoir vraiment un cadre dans lequel s'insérer la problématique numérique. Et ensuite, on va aller détailler, comme je disais tout à l'heure, étape par étape, les impacts du numérique sur ces problématiques environnementales pour que vous compreniez d'où viennent ces chiffres et comment on les adresse. Donc ça va être la première matinée. Et puis, l'après-midi qui suit, on va vraiment travailler la problématique entreprise et attaquer les thèmes qui sont listés ici, c'est-à-dire déjà tout ce qui est stratégie et gouvernance, parce que c'est, comme je le disais, le numérique est au cœur de tous les business models des entreprises. Donc, ce n'est pas qu'un problème d'informaticien, c'est un problème métier et fonction. Donc, on va vous proposer d'attaquer cette problématique par le haut, quelque part. Ensuite, on vous proposera un framework pour vous aider à mettre en place les mesures nécessaires à l'évaluation de l'impact CO2 de votre entreprise et comment les suivre. Donc, vous verrez qu'il y a des méthodes et des référentiels matures dans certaines parties, et puis dans d'autres un peu plus compliquées. Je pense en particulier à tout ce qui est cloud provider qui commence enfin à dévoiler leurs chiffres CO2, mais où on a encore un peu de travail à faire et il faut prendre quelques approximations pour avoir une idée du CO2 qu'ils émettent pour fournir leurs services. Ensuite, on parlera d'éco-conception. Donc là, on est plus sur des problématiques de fabrication de SI, hein. Donc comment concevoir un SI éco-responsable. Et puis enfin, on parlera des choses matérielles, hein, pour le coup, puisque tout vient de là, en fait, hein, le CO2 et l'impact environnemental, tout est lié au matériel. Donc en bas de la chaîne de valeur, on va dire. Donc tout l'aspect production et data center
qui sont exploités par vous ou par vos fournisseurs. Et puis aussi, vous verrez que la gestion du parc utilisateur est très très importante parce qu'on se rend compte que dans les entreprises, c'est vraiment en tout cas dans les entreprises françaises, parce que on est en France et donc l'électricité est peu carbonée. Donc c'est vraiment la construction, hein, du matériel que l'impact est le plus fort. Eh bien, quel impact positif on peut avoir en changeant la politique d'achat de ses employés, la politique d'achat du matériel de ses employés, pardon, avec quelques cas. Donc voilà pour la première journée. On sera Donc, peut-être amené à parler aussi, pardon Arnaud, mais il y a des nouvelles lois qui sont apparues en France aussi sur l'obsolescence programmée. Donc les choses évoluent un petit peu au niveau des constructeurs pour ce qui est de la fabrication des matériels et de leur réparabilité. Donc c'est des choses qu'on évoquera, oui. Pardon, Donc c'est une continue. première journée, non, non, je t'en prie, c'est une première journée assez dense, hein, il y a beaucoup de contenu. Et la deuxième journée, en fait, on vous propose de travailler sur des études de cas. Donc les études de cas qu'on adaptera en fonction de votre profil et du nombre, hein, que vous serez à cette session. Mais typiquement, ça va être, par exemple, étudier les bilans carbone des fournisseurs, moi j'en ai parlé tout à l'heure. Ça va être, par exemple, faire une étude de cas sur la 5G. C'est un sujet qui est, je pense, assez intéressant, que vous avez vu passer dans les médias, qui est un sujet qui devient assez politique. Donc, on va vous fournir des éléments pour que vous fassiez vous-même une idée, chiffre à l'appui, de l'impact bénéfique ou non bénéfique de la 5G. On pourra travailler sur des problématiques de migration cloud aussi, hein, donc de data centers qui sont la propriété de l'entreprise, qui sont transférés vers un cloud provider, et calculer si l'impact est positif et à quelles conditions. Voilà les exemples de cas typiques qu'on pourra donner et sur lesquels vous travaillerez sur cette première, enfin, cette seconde matinée. On va peut-être pas revenir sur le côté social, hein. Je vais avancer à la slide suivante. Voilà, mais juste pour dire que, en fait, on va ouvrir le débat la deuxième journée, la fin de l'après-midi, on va ouvrir le débat sur, finalement, comment dire, les bénéfices, externalités du numérique, avec toujours cette problématique, hein, qui est essentielle, c'est le rapport coût-bénéfice, c'est-à-dire le numérique, finalement, on va voir que c'est ni bien ni mal, ça peut apporter des choses, ça peut détruire des choses, et il faut trouver des cas où l'équilibre est en faveur du social et de l'environnement. Et on va étudier quelques cas avec vous pour ouvrir le débat et partir sur une note, on va dire, peut-être un peu plus positive que la première matinée. Alors c'est vrai qu'on regroupe un peu les deux sujets, social et environnemental, parce que ça fait partie des préoccupations des entreprises maintenant, avec les démarches de responsabilité sociale et environnementale. Donc c'est deux sujets qui sont souvent assez connexes. Donc c'est pour ça qu'on les regroupe un petit peu aussi, mais en mettant plus le focus quand même sur l'aspect environnemental dans cette formation. Alors voilà, là sur ce slide, on parle de choses très terre à terre. Alors, une des choses les plus terre à terre qu'il faudrait peut-être mentionner, c'est que la première session va avoir lieu le 15 et le 16 avril. Ça, je pense que c'est une chose à signaler. Donc, on vous invite à vous inscrire pour ces dates-là. Sinon, bah, d'un point de vue pratique, à Centrale Supélec, eh bien, on a des formations où on a une approche théorique. Alors, c'est peut-être un peu notre force, hein, c'est que comme on est central, on donne souvent une bonne vision d'ensemble des sujets sans être trop influencé par tel ou tel acteur. C'est-à-dire qu'on est très indépendant, hein, des acteurs. Donc, on a une vision un peu à 360 degrés des sujets qui est, je pense, une de nos forces. On a des retours d'expérience des formateurs. Donc, Arnaud est un expert du sujet. Hein, il est souvent intervenu là-dessus. Puis moi-même, en tant que DSI de la fresque du climat, bon, j'ai quelques retours d'expérience sur les problèmes. On aime bien faire des travaux pratiques. Donc, on fera des études de cas, comme ça a été évoqué avant. Voilà un petit peu les méthodes pédagogiques. Sinon, en termes de moyens, bah, on va évidemment vous demander d'avoir un ordinateur pour participer aux cours. Alors, il est difficile de prévoir aujourd'hui si ces cours auront lieu à distance ou en présentiel. On fait les deux en ce moment à Centrale Supélec. Donc, cette semaine, j'ai donné un cours à distance et la semaine prochaine, je donne un cours en présentiel. Et puis, bon, de manière très terre à terre, oui, on a des évaluations par QCM de nos formations pour valider en fait les cursus. Voilà. Alors,
Est-ce que tu veux reprendre la main là, Arnaud, ou encore? Oui, si tu veux. En fait, j'ai peut-être un peu paraphrasé ce que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, en fait, là, je pense que ce qu'on a fait ici dans la construction de ce contenu est double. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup d'apports théoriques, je l'ai dit, donc c'est assez riche. Des apports théoriques qui sont d'ailleurs, on va dire, entre guillemets, à la pointe, parce qu'on. Enfin, et moi en particulièrement, travaillant sur le sujet et sur les papiers scientifiques qui circulent, on va vous donner les derniers éléments de la recherche sur le sujet. Et puis, on va avoir une approche vraiment globale, hein, sur l'impact du SI. Je l'ai dit, je le redis, ce n'est pas qu'un problème de l'équipe de production qui s'occupe des serveurs, hein, c'est un problème systémique. Donc, l'avantage, c'est qu'on va vous donner vraiment une vision globale de la problématique et comment l'adresser. Et puis le deuxième aspect, c'est que ben, les cas concrets qu'on vous propose sont des vrais cas de terrain qu'on a rencontrés, Guillaume et moi, au cours de nos expériences. Donc, c'est des choses qui vont sûrement faire écho à vos problématiques que vous avez peut-être déjà ou que vous aurez demain dans le cadre de vos fonctions. Ouais, moi, j'ajouterais peut-être une chose. Alors ça, c'est ma conviction personnelle, mais je me dis que si dans quelques années on a plus de difficultés à s'approvisionner en énergie, bah, ce sera une bonne chose que d'avoir des systèmes informatiques qui consomment peu d'énergie, hein. C'est-à-dire que c'est un risque dans le futur aussi. Ce n'est pas que pour favoriser l'environnement, c'est aussi une forme de sécurisation des actifs de l'entreprise que de les rendre sobres d'un point de vue énergétique. Alors, le terme blended learning, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est capable de faire du présentiel et du distanciel et même du mélanger. Hein. Moi, ça m'est arrivé de donner des formations où des personnes étaient devant moi et d'autres à distance dans les locaux de Centrale Supélec. Voilà. Et donc, je pense qu'on est d'assez bons vulgarisateurs, donc on est capable d'expliquer les choses assez bien. C'est ce qui est écrit en bas, le langage clair et précis. Et puis de donner une bonne vision d'ensemble de cette problématique. Voilà, qui est un peu complexe. Hein. Moi, je le vois au travers de mon travail à la fresque du climat, c'est-à-dire que les problématiques sont assez complexes, il y a pas mal d'enjeux. Parfois, les gens, par exemple, ne savent pas qu'un ordinateur consomme plus d'énergie à sa fabrication que pendant son usage. Donc, on fait souvent des découvertes, hein, il y a des prises de conscience. Et donc, c'est un beau sujet, je pense. Et je pense que Arnaud et moi, on est assez bons pour le vulgariser, voilà, et pour arriver à des choses très concrètes, hein, qui sont. Comment est-ce qu'on concevoir avec plusieurs objectifs le système d'information? Et j'ajouterais que, en fait, enfin, l'expérience qu'on a déjà donnée, ce type de formation, c'est un des avantages, enfin, des avantages. Un des aspects passionnants, c'est que c'est un sujet d'actualité et c'est un sujet qui tire du social et du politique et donc qui amène des débats assez riches. En tout cas, les études de cas qu'on propose le montrent, hein, ça amène beaucoup de questionnements. Sur déjà sa propre approche du numérique, sur l'approche de l'entreprise et puis l'approche des politiques sur le sujet. Enfin, ça tire vraiment beaucoup de choses et amène une richesse de débat autour de la table. Ok, alors bon, je crois qu'on va essayer de respecter les 30 minutes là pour la présentation. On va prendre des questions s'il y en a. Alors, où est-ce que sont les questions dans l'interface? Alors moi je vois pas très bien où sont les questions. Adresser notre candidature pour cette formation. Qui est le Ah contact? pardon. Mais c'est vrai que il y a cette dernière slide aussi tout simplement, oui, qui dit qui est la personne qui est en charge de recevoir les candidatures à propos de cette formation. Donc c'est Laetitia chez nous à Centrale Supélec, Laetitia Vigneron qui s'occupe de ce cursus. Voilà, mais sinon on doit pouvoir retrouver la fiche de la formation sur le site web. Hein. Donc, je ne connais pas l'URL par cœur, mais je crois que c'est xz.centralsupelec.fr. Et donc, vous avez la description du cursus de manière assez synthétique et puis la possibilité de candidater à partir du site. Donc, voilà, les deux biais, c'est le site et Laetitia.
Ok. Pas plus de questions. Va vous laisser. On va peut-être laisser notre expert du Google Web Conférence, là, Brice, Bon, bah, merci à vous tous dire. pour cette petite session d'une demi-heure. En espérant vous voir bientôt au mois d'avril pour parler de tout ça avec intérêt et peut-être émotion. Oui, merci. Oui, donc c'est moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'aime beaucoup en parler effectivement avec d'autres. Donc on espère vous croiser en avril.